Yo les gars, c'est prêt, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour le PX Actu numéro 6 de la PX. Aujourd'hui on se retrouve avec pas mal de petites informations croustillantes, tu vois ce que je veux dire. Donc ça va être assez rapide je pense, je vais pas en avoir pour très très longtemps. Donc on va commencer sans plus tarder à vous remercier tous un par un de nous soutenir, d'avoir, parce qu'on a eu vraiment un retour très très positif pour la semaine 1K, que ce soit pour le montage, la FAQ, le vlog ou le trailer du montage, pardon. Donc voilà, il y avait des commentaires assez constructifs. Dans l'ensemble, ça vous a beaucoup plu, donc ça fait plaisir de voir qu'on a proposé quelque chose qui vous a plu, parce que c'est le but, bien évidemment. Donc pour cette PX Actu, on va parler notamment des séries qui vont se créer, d'autres qui vont continuer ou changer un petit peu, voire s'améliorer, etc. Donc on va commencer avec la nouvelle série Leftover. Donc ça va être une série qui va nous permettre d'utiliser tous nos clips lefto qu'on ne peut pas utiliser pour les teamtage, et de les utiliser pour des petits teamtage, en gros des épisodes comme des épisodes hors série, mais c'est pour ça que ça s'appellera Leftover, pour que tous les players, parce qu'il y en a pas mal qui n'ont pas le temps de beaucoup jouer pour rentrer beaucoup de clips, ou pas trop de chance évidemment, parce qu'on n'a pas tous de la chance pour rentrer des clips, bien évidemment, ça serait sinon. Et voilà, donc que tout le monde puisse utiliser les clips, parce que ça fait toujours plaisir de rentrer un clip, mais ça fait un peu chier de pas pouvoir l'utiliser, voilà, vous voyez. Donc ensuite, c'est Edit Training, donc ça pourra peut-être se rejoindre en fonction du nombre de clips qu'il y a par player. Sachant qu'il y aura peut-être des épisodes par player, par exemple premier épisode les clips de Juke, deuxième épisode les clips de Black, troisième épisode les clips de Kaizen, etc. Donc voilà, ensuite Edit Training, c'est une nouvelle série qui va permettre à tout le monde de s'entraîner pour le montage. Donc on va prendre un son, on va prendre un extrait de 30 secondes par exemple, c'est pour ce que Juke et moi avons fait, parce qu'on a fait les premiers épisodes qui sont déjà uploadés mais pas encore disponibles, vu que j'attendais le PX Actu pour annoncer cette série là justement, sinon vous allez pas comprendre pourquoi des épisodes de 30 secondes sortent toutes les semaines, ça aurait été le bordel, vous voyez. Donc c'est pour ça que un épisode de 30 secondes avec une musique, on prend des clips random, on s'en fout des standards, et on s'entraîne à faire du montage. Pour ça, tout le monde peut s'entraîner à faire du montage. Et après, on compte sur vous pour nous donner quelques conseils, nous donner votre avis, pardon, sur ce qu'on a amélioré, si ça vous a plu, si vous aimeriez voir plus de contenu de cet éditeur, même si on n'est pas vraiment tous des éditeurs pour l'instant, mais ça devrait arriver par la suite, j'imagine. Ensuite, on va se retrouver avec les clip and fail qui vont continuer plus ou moins si quelques players ont pas mal de clip and fail à proposer, bien évidemment. Moi, j'en ai à l'appel, mais vraiment, j'ai la flemme de les rec. Enfin voilà, je trouve pas non plus ça vraiment super super intéressant. Je loupe beaucoup de clips, mais bon, j'ai pas non plus, ça sert pas à grand chose de dire, oh regardez comment j'ai pas de chance. Enfin bref, voilà, c'est un détail. Ensuite, les road to clip, on va essayer d'en faire, même si c'est toujours assez compliqué parce qu'il y a pas toujours le bon nombre de players disponibles. Il y en a, ils ont pas une bonne connexion, leur père télécharge un truc. Et leur micro, leur chat, il s'est assis dessus, il est cassé en mille. Enfin, on sait pas. Donc ensuite, les open lobby où vous pourrez participer. Donc ça, il y aura peut-être plus de précision dans une prochaine vidéo sur comment participer aux open lobby. Donc on fera des open lobby, genre certainement en mêlée générale sur pas mal de maps, sur Black Ops 2, Black Ops 3. Pour ceux qui ont Black Ops 3, évidemment, ce qui est pas mon cas, MW2, enfin plein de jeux. Des road to trickshot également, que ça soit en partie privée avec des bots ou avec des équipes qui s'affrontent, par exemple 4 players PX contre 4 players d'entre vous, voilà, tout simplement. Et on utilisera certainement ces clips-là, les clips qui seront rentrés dans les open lobby, et les road to trickshot bots ou versus, on va appeler ça comme ça, voilà. On les utilisera certainement pour faire des petits montages, ça pourrait être assez sympa, ça pourrait certainement vous faire plaisir de voir vos clips passer dans un montage. D'ailleurs, si ça vous fait plaisir de voir vos clips sur la chaîne de l'APX, vous pouvez tout simplement continuer à nous envoyer vos clips à l'adresse pxtop5@gmail.com pour que je m'occupe des top 5 et pour que je passe peut-être la main à d'autres membres de l'APX s'ils ont envie de faire les commentaires, tout simplement. Pour l'instant, c'est moi qui gère, vu que c'est moi qui ai l'adresse mail, mais si d'autres veulent essayer, pourquoi pas, hein. Je suis pas non plus en train de monopoliser tout, au contraire, hein. Ensuite, pour les FAQ, continuez à poser vos questions dans les commentaires avec le hashtag, à peu près comme ça, PXFAQ. Donc j'attendrai à chaque fois qu'il y a à peu près une quinzaine de questions pour pouvoir y répondre. Et ensuite, évidemment, les PX Actu qui continueront quand j'aurai des choses à vous dire. Voilà. Donc ensuite, on va faire très très prochainement, donc j'imagine là cette vidéo-là, quelle heure il est ?
cette vidéo là, pardon, vous la verrez certainement vendredi à 18h ou enfin entre 16 et 18h en tout cas, je l'annoncerai sur Twitter de toute façon. Le lien du Twitter est dans la description de la vidéo bien évidemment. Et donc nous allons faire un recruitment challenge. Ça va être assez particulier, attention, parce que il y aura des nouvelles formalités concernant le recruitment challenge, les explications, pourquoi on va changer certaines choses. Je vous expliquerai ça dans le recruitment challenge parce que ça va durer assez longtemps et du coup là c'est pas la vidéo qui est vraiment requise. Je dis n'importe quoi. C'est pas la vidéo qui est faite pour parler de ça justement. Là on est juste là pour parler de l'actualité, vous voyez. Et ensuite on va commencer à organiser une petite surprise pour les 1500 abonnés, donc vous doutez bien que ça sera un petit vintage, voilà. Et son nom, ça sera certainement, je pense, Time to Reborn 2, parce que j'avais vu, avant que je join, tu vas faire des petites tractions comme ça, non, on va se calmer. J'avais vu, avant de join la PX, qu'il y avait un épisode qui s'appelait Time to Reborn, et du coup, je me suis dit, bah pour les 1,5K, on va faire l'épisode 2, voilà. Et ça sera peut-être assez spécial au niveau de l'éditeur, je vous en dis pas plus, mais vous verrez bien. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les informations que j'avais à vous divulguer. Du coup, bah, on en a plus besoin, ça dégage, voilà. Hein ? Donc voilà, c'était prêt, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis maintenant à la fois prochaine. En attendant, portez-vous bien. Allez, bye tout le monde. Aïe.